Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes en direct sur votre chaîne chrétienne Réveil TV et bien sûr euh, euh, sur votre émission Réveillez-vous. Alors c'est le temps, n'est-ce pas, de sortir du sommeil parce que, comme nous le savons tous, sinon pour euh, ceux qui prennent la peine, n'est-ce pas, de lire les Écritures, bien sûr aussi, même ceux qui ne lisent pas la parole, mais qui euh, suivent des émissions ou qui. Un moment, un moment donné, n'est-ce pas, peuvent écouter une prédication, n'est-ce pas, euh, bien sûr, des vrais serviteurs du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, n'est-ce pas, là où, là où il y a beaucoup d'amalgames, où le Seigneur, n'est-ce pas, ne cesse d'interpeller les gens, n'est-ce pas, quant à son retour qui est imminent, et aussi, n'est-ce pas, à la fin du monde. Donc, euh, euh, nous exhortons, n'est-ce pas toute personne, n'est-ce pas, à faire la paix avec le, avec le Seigneur. Alors voilà pourquoi le Seigneur a permis à que cette chaîne, n'est-ce pas, euh, ben, soit euh, mise en place, n'est-ce pas Ici à Port Gentil, c'est vraiment une grâce, une grâce autant pour moi où l'évangile est prêché, n'est-ce pas, non pour pas pour élever un homme, pas pour élever une dénomination ou encore n'est-ce pas une communauté ou une assemblée quelconque, mais c'est vraiment pour élever, élever le nom de Yeshoua Jésus Christ de Nazareth. Alors avant de partager n'est-ce pas ce soir le, le thème ou sinon la pensée que le Seigneur a déposé dans mon cœur, je vous exhorte mes frères et sœurs n'est-ce pas à pouvoir remettre ces moments à mains du Seigneur afin que le Seigneur nous guide et que son esprit n'est-ce pas Parle à nos cœurs au nom de Jésus Christ. Seigneur, nous te bénissons. Papa, donne-nous la force, Père, de pouvoir partager, de parler de ta part. Seigneur, nous prions, Père, pour les cœurs disponibles, pour les cœurs qui se disposent, Père, à écouter ta parole. Seigneur, nous bénissons, Père Céleste, déjà, Père. Ta fidélité et la capacité, Seigneur Père, que tu donnes à ces personnes d'écouter de, de, ta parole, Seigneur Papa. Que ces personnes n'écoutent pas seulement, mais que cette parole puisse porter du fruit dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez donc, soyez encouragés, soyez encouragés. Les temps sont difficiles. La Bible nous exhorte, n'est-ce pas La Bible nous dit que les temps seront très difficiles et, et beaucoup, n'est-ce pas, seront éprouvés quant à leur foi. Vous savez, voilà. Donc, euh, comprenons que si nous ne péchons pas, si nous ne rentrons pas, -ce pas dans des, des fausses alliances et que nous vivons -ce pas, des temps difficiles, ne commençons pas, -ce pas à nous décourager ou sinon à vouloir nous lamenter ou encore à nous précipiter à, prendre des choix qui ne, à faire des choix, autant pour moi, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Non, gardons le calme, n'est-ce pas La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur à nous, automatiquement, n'est-ce pas, apporte la lumière et une lumière qui brille au milieu d'un monde ténébreux. Alors, c'est normal qu'après, n'est-ce pas, qu'il y ait des combats, qu'il y ait des inconvénients qui des attaques et beaucoup n'est-ce pas d'enfants du Seigneur subissent ces oppressions, subissent ces attaques. Ben tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, parce que bientôt n'est-ce pas le retour du Maître, le retour de Yahushua, Jésus Christ qui a promis n'est-ce pas venir chercher ses enfants. Alors ce soir nous allons partager sur euh, les bons, sinon le bon et les, et les mauvais ou non le mauvais n'est-ce pas combat de la marche. Vous savez, il y a des bons combats durant notre marche. Et il y a aussi, n'est-ce pas, des combats auxquels, n'est-ce pas, il ne faut pas s'attarder, mais qui sont des mauvais combats. Et si nous ne sommes pas assez matures, frère, nous allons perdre du temps, parfois, n'est-ce pas, à vouloir chercher à expliquer, à vouloir, n'est-ce pas, mener des batailles qui ne servent à rien, qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, apporter un plus dans notre vie. Alors, ben, quand on parle des bons combats, nous allons lire euh, euh, de Timothée, n'est-ce pas, au chapitre 6, verset 12, voilà, l'Épître de Paul, première épître de Paul à Timothée, n'est-ce pas, chapitre 6, verset 12, vous voyez, c'est Paul qui parle à son fils dans la foi, ben, Paul étant un vieillard, voilà, sachant que, euh, il, il, il allait bientôt retourner, n'est-ce pas, vers le maître, alors va donner des conseils, n'est-ce pas, comme un père, n'est-ce pas, à, à, son, à, son, à, à son fils dans la foi, Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc Paul ici, n'est-ce pas, exhorte Timothée à combattre le bon combat de la foi. Donc c'est Paul, n'est-ce pas, parle du bon combat, mais c'est qu'il y a aussi des mauvais combats. Nous allons regarder aussi un peu des combats, n'est-ce pas, qui ne sont pas euh, utiles pour nous, mais ces combats qui nous épuisent, ouais, un peu. Et si à chaque fois, n'est-ce pas, nous voulons nous arrêter là-dessus, ben, ces combats finiront, n'est-ce pas, par nous abîmer ou sinon par nous éteindre. Vous voyez, Paul dit à Timothée de combattre le bon combat de la foi. Et regardons dans 2 Timothée chapitre 4, voilà, 2 Timothée 4 à partir du verset 7. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, regardez, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi, oui, verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, son retour. Donc Paul dit, n'est-ce pas, verset 7, frère, s'il vous plaît, vous pouvez remettre le verset 7 sur l'écran voilà me dit j'ai combattu donc Paul savait que il avait mené n'est-ce pas le bon combat et le bon combat que Paul avait mené n'est-ce pas c'était quoi c'était de garder la foi il, il a achevé dans la marche chrétienne n'est-ce pas et aussi n'est-ce pas on peut aussi la comparer n'est-ce pas à une course vous voyez un peu il dit j'ai achevé la course vous voyez un peu j'ai gardé la foi donc Paul a gardé la foi Donc, le bon combat n'est-ce pas consiste à garder la foi et c'est quoi cette foi là n'est-ce pas ben Romains chapitre 10-12 nous dit, ben, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Elohim, la, la parole de Yahweh, la parole de Dieu. Donc, le bon, garder le bon combat, n'est-ce pas, c'est garder la foi. Ouais? Et c'est le combat que, au quotidien, tout enfant de Dieu, n'est-ce pas, doit mener, garder la foi. Parce que le monde, n'est-ce pas, nous oppresse. Et Satan, n'est-ce pas, fait des complots, n'est-ce pas, contre nous pour nous amener, n'est-ce pas, à, garder, à perdre la foi, à à sortir complètement, n'est-ce pas, du plan de Dieu, à nous éloigner de Dieu, n'est-ce pas, euh, tout simplement, n'est-ce pas, en rentrant dans le péché ou bien dans les compromissions. Est-ce que vous voyez un peu Donc, et, 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 et souvenons-nous, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 30 ou 31, la Bible dit que Jésus vient dire à Simon, il dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié. Pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, vous voyez, la foi des pierres, n'est-ce pas, a été réclamée. La foi des pierres, n'est-ce pas, a été éprouvée. Satan voulait amener Pierre, n'est-ce pas, à, 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 à perdre la foi. Vous voyez, et, et Jésus, n'est-ce pas, a prié afin que la foi des pierres, n'est-ce pas, ne puisse pas euh, euh, vaciller, ne puisse pas basculer. Et, et nous comprenons, n'est-ce pas, que le bon combat, frère, que nous pouvons que nous devons tous mener, ben, c'est nous efforcer, n'est-ce pas, à garder la foi. Bien sûr, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ déjà dans leur vie comme Seigneur et, et Sauveur. Si nous ne l'avons pas encore fait, frère, nous ne nous condamnons pas, nous ne nous culpabilisons pas, n'est-ce pas? C'est vraiment le temps, n'est-ce pas, de le faire, d'ouvrir nos cœurs et de dire, Seigneur, je décide de te suivre, je décide, n'est-ce pas, de te laisser, n'est-ce pas, guider ma vie. Je, te, je décide, n'est-ce pas, que tu sois au, au centre de ma vie. un peu Je décide, n'est-ce pas, de prendre la résolution de marcher selon tes instructions selon ta parole un peu et tu gardes la parole tu gardes cette parole là parce que c'est la parole de Yahweh en nous n'est-ce pas qui suscite la foi c'est la parole de Yahweh en nous n'est-ce pas qui nous donne la capacité de pouvoir marcher par la foi vois un peu ça veut dire que la foi sans écriture sans parole sans la parole du Seigneur n'est-ce pas elle est vaine voyez Parce que nous mettons foi, n'est-ce pas, à ce que l'on a entendu. Nous, nous mettons foi, n'est-ce pas, à ce que nous méditons et à ce que nous recevons, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, frère. Qu'est-ce qu'on reçoit de la part du Seigneur Bien qu'il est vrai que nous recevons l'Esprit du Seigneur, voyez un peu, mais l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, automatiquement nous enseigne, nous amène, n'est-ce pas, nous révèle la personne de Jésus, qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ de, de Nazareth. Vous voyez Dans Jean au chapitre 16, nous allons regarder Jean au chapitre 16. Voilà. Dans Jean 16, vous voyez, on va dire, on va lire euh, euh, à partir du verset. Euh, voilà, on va lire à partir du verset 5. Évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 16. À partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8, et quand il sera venu... Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne, qu ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous voyez, la Bible dit que le Saint-Esprit vient convaincre les gens, n'est-ce pas, ce qui si concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez un peu Et par la suite, le Seigneur nous explique. Verset 12. Voilà. La Bible dit quoi La Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ces choses à venir. voyez la Bible dit que, verset 14, voyez, la Bible dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi » Et vous là, non sera. Donc le Saint Esprit, n'est-ce pas, vient révéler la personne de Jésus dans nos vies. Vous voyez, quand on reçoit Jésus, n'est-ce pas? Quand on reçoit l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, ne fait pas de nous des adeptes, ne fait pas de nous, n'est-ce pas, des religieux, ne fait pas de nous, n'est-ce pas, des gens qui s'attachent aux traditions ou aux, aux rites établis par des hommes. Non, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, nous conduit à connaître qui est la personne de Jésus. Il dit, Il me glorifiera. Donc, l'Esprit de Dieu vient glorifier Jésus Christ en, en nous. Et et en même temps, l'Esprit de Dieu nous révèle la personne de Jésus. Et, et notre foi, n'est-ce pas, n'est pas basée sur un homme, n'est pas basée sur des rituels, n'est pas basée, n'est-ce pas, sur une dénomination ou sur une appartenance quelconque. Notre foi est basée sur la personne de qui De Jésus, au moyen de, de sa parole. Vous voyez Donc l'Esprit, n'est-ce pas, nous ramène, nous révèle qui est Jésus, n'est-ce pas Au travers de quoi De la parole de Dieu. Vous voyez donc quand Paul dit à Timothée de combattre le bon combat de la foi, c'est tout simplement, n'est-ce pas, de garder la parole. De faire tout, n'est-ce pas, en s'appuyant toujours sur la parole. Ça veut dire que si nous sommes chrétiens, n'est-ce pas, et que nous voulons mener le combat, le, le, le combat en dehors, n'est-ce pas, des Écritures, frères, nous sommes plus que perdants. Parce que la Bible nous dit que Dieu, Yahweh, soutient toute chose, n'est-ce pas, par sa parole puissante. Nous allons lire Hébreu au chapitre 1 chapitre à partir du verset 1er. L'épître aux Hébreux, voilà, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, donc dans le pensé, le Seigneur nous exhorte, nous dit qu'en fait, autrefois, il parlait à nos pères par qui Par le canal ou sinon par la voie des prophètes. Voilà pourquoi aujourd'hui, frère, on n'a plus besoin de courir après un prophète pour savoir ou bien pour connaître la pensée de Dieu par rapport à ta vie ou bien par rapport à ta destinée. Mais non, c'est des choses qui sont révolues. C'est des choses, n'est-ce pas, qui, qui appartiennent au passé. Vous voyez un peu Nous ne pouvons plus aller consulter les prophètes. C'est demeurer, n'est-ce pas, dans un état d'ignorance. La Bible dit que c'est autrefois, n'est-ce pas, que Dieu parlait par les prophètes. Regardons par la suite, n'est-ce pas la, la suite nous dit quoi Dieu, dans ces dans derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Dieu nous parle aujourd'hui par son esprit, n'est-ce pas L'esprit de Jésus-Christ qui vit en, en nous. Donc nous ne devons plus courir, n'est-ce pas, derrière les gens. Et la suite, disons la suite. Qu Qu'est-ce que dit la Bible Voilà. Il dit, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait, la pu, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. dans la Bible nous dit que Dieu, Yahweh, Elohim soutiennent toutes chose par sa parole puissante. Donc si nous voulons avoir, n'est-ce pas, le succès, si nous voulons gagner des batailles, n'est-ce pas, dans ce monde, voyez un peu, ce monde impie, ce monde rempli de péchés, ce monde rempli de méchanceté, frère, nous devons, n'est-ce pas, opérer ou sinon travailler, coopérer, n'est-ce pas, rester sur la parole. Vous voyez un peu Nous efforcer à agir, n'est-ce pas À réagir, à attaquer. Quand on dit attaquer, ça veut dire euh, ben, répliquer lorsque l'ennemi, n'est-ce pas, veut euh, nous accuser en nous appuyant sur ce que disent les Écritures. Que dit la parole face à ta situation Qu'est-ce que le Seigneur te conseille, n'est-ce pas, à l'allumer des Écritures face aux difficultés, face aux épreuves, n'est-ce pas, que tu traverses Vous voyez Et Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi. Donc c'était quoi De garder la foi. Parce que Paul savait qu'en fait beaucoup, n'est-ce pas, allaient perdre, n'est-ce pas, cette foi. Beaucoup allaient complètement, n'est-ce pas, bien qu'il est vrai qu'ils avaient commencé la marche avec le Seigneur, mais beaucoup aller finir, n'est-ce pas, par faire fausse route, beaucoup aller, n'est-ce pas, beaucoup, ben il euh, y en a, n'est-ce pas, qui allaient complètement, n'est-ce pas, c'est dérouté, n'est-ce pas, en sortant, n'est-ce pas, de la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Voilà pourquoi Paul nous dit dans, dans l'une de ses épîtres il dit, dans les temps n'est-ce pas, il va y avoir des doctrines, n'est-ce pas, des démons un peu Qui vont enseigner les gens, n'est-ce pas, des, 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 des sectes pernicieuses, des doctrines, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. Où on va te demander, n'est-ce pas, de te purger avec le sang de Jésus. On va te demander, n'est-ce pas, de te oindre avec le sang de Jésus. Des doctrines anti-bibliques, des doctrines qui n'ont pas de fondement biblique. Vous voyez un peu Voilà. Donc, Paul nous dit que, n'est-ce pas, frère, il va y avoir, n'est-ce pas, des tels prédicateurs, des telles prédications. Et beaucoup mettront foi, n'est-ce pas, à des telles choses. Ces choses-là, n'est-ce pas, qui, au lieu de nous rapprocher du... Mais nous éloigne davantage, n'est-ce pas, de notre Créateur. Voyez donc, Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Voyez un peu. Et lui, par la suite, n'est-ce pas, il dit... Il dit, j'ai combattu le bon combat, il dit, j'ai gardé, gardé la foi, il dit, j'ai achevé la course. Et maintenant, la couronne de gloire, n'est-ce pas, m'est réservée. Donc Paul savait que, n'est-ce pas, en gardant, n'est-ce pas, la foi, en, en continuant, n'est-ce pas, à mener le bon combat de la foi, ou un peu, après, n'est-ce pas, euh, euh, son parcours terrestre, le Seigneur, n'est-ce pas, allait le récompenser. Et Paul dit, non seulement lui, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, Paul a gardé la foi. Ça veut dire que malgré les difficultés, malgré, n'est-ce pas, les combats, malgré les oppressions, Paul est resté attaché à la foi. Paul est resté attaché aux Écritures, frère. Nous ne pouvons voir Dieu en dehors de sa parole. Nous ne pouvons voir Dieu agir en dehors de sa parole. Si nous voulons voir Dieu intervenir dans nos vies, si nous voulons voir Dieu nous donner la victoire ou sinon le succès, n'est-ce pas, face aux difficultés que nous traversons, frère, nous avons besoin, n'est-ce pas, de prendre la peine de méditer la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Josué, dit à Josué, médite ses livres jour et nuit. Et, et force-toi, n'est-ce pas, et agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas en entreprendre. Alléluia. Voyez un peu. C'est la parole du Seigneur. Lorsque nous la méditons et que nous la gardons, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Voyez un peu. Et, et, et nous nous efforçons, n'est-ce pas, à la mettre en pratique. Peu importe les circonstances, les situations, n'est-ce pas, ou les circonstances que nous traversons. Voyez Un peu, frère. Nous sommes sûrs que même si la, la tempête souffle, même si les vents se liguent contre nous, frère nous sortirons vainqueurs. Voyez un peu, ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, tu, tu gardes la foi. Voyez, voyez, voyez le passage, Josué chapitre 1, verset 8. Voyez, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voyez un peu, que ce ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Nuit et jour et nuit. Voyez un peu, la Bible dit, Dieu dit à Josué, de, que ces livres-là ne se pas de sa bouche. Donc, tout ce qui devait sortir de la bouche de Josué devait être, n'est-ce pas, en conformité ou sinon en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez Il dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras. Donc, le succès. N'est-ce pas, dans nos entreprises. Le succès, n'est-ce pas, ou les victoires face aux ennemis, face aux montagnes de nos vies, n'est-ce pas Ben, chers, si ce sont liés à quoi À l'obéissance, à la mise en pratique, n'est-ce pas, de la parole. Non seulement la connaissance de la parole, et aussi, n'est-ce pas, la mise en pratique, n'est-ce pas, de ce que dit la parole. Frère, or, nous savons tous, n'est-ce pas, que nous, sommes, nous vivons dans un monde où nous sommes tellement submergés par des soucis de la vie, par des problèmes que nous voulons régler au quotidien. Nous sommes submergés par le fait, n'est-ce pas, de chercher de l'argent. Ce n'est pas un péché, frère, mais si chercher le bien-être terrestre, n'est-ce pas, nous empêche d'avoir une intimité avec le Seigneur ou n'est-ce pas de méditer la parole de Dieu, frère, il y a un problème. Nous sommes en danger parce que notre salut, n'est-ce pas, ne dépend pas de l'argent qu'on qu'on peut avoir. Notre salut ne dépend pas de la richesse ou sinon de la fortune, n'est-ce pas qu'on peut, n'est-ce pas acquérir sur terre. Non, notre vie, n'est-ce pas, dépend, notre salut dépend, frère, de notre relation de la connaissance que nous avons, n'est-ce pas, de notre Créateur, de celui qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique, véritable Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Voyez un peu Donc, voilà pourquoi, frère, nous avons vraiment besoin, n'est-ce pas, d'entretenir cette relation et de ne pas nous laisser distraire, de ne pas nous laisser, n'est-ce pas, distraire par des faux combats, par des batailles inutiles, par des batailles, n'est-ce pas, qui ne servent à rien. Ouais, un peu. Il y en a dans la Bible, n'est-ce pas, que tu étais confronté, n'est-ce pas, à des, à des batailles inutiles, ouais, un peu. mais il y en a, avec la maturité de l'esprit, connaissant, n'est-ce pas, qui est leur créateur, ne se sont pas limités là-dessus. voyez, ouais, il a, y, a, y a le bon combat, le bon combat de la foi, garder la foi, le bon combat de la marche, garder la foi, respecter le commandement du Seigneur, refuser, n'est-ce pas, de nous compromettre à nous livrer au péché, voyez ouais, un peu, tenir ferme face aux oppressions, face aux attaques, même si tu es confronté à la maladie, même si tu es dans un chômage, n'est-ce pas, précoce, voyez un peu, mais garder la foi, refuser, n'est-ce pas, tout mélange, refuser, n'est-ce pas, toute forme, n'est-ce pas, de compromission, demeurer dans l'intégrité, n'est-ce pas, avec Jésus, voyez un peu voilà, parce que, frère, nous, on vit dans un monde où, où frère, on veut prier, on veut reconnaître, n'est-ce pas, que notre Créateur est puissant lorsqu'il nous fait du bien. Mais quand nous sommes éprouvés, ben, nous trouvons, n'est-ce pas, des moyens de nous justifier, nous lamenter, remettre même en cause son existence. Vous voyez Mais non, ce n'est pas ça la foi. La foi, n'est-ce pas ben, C'est comme ce que Job a vécu. Vous voyez un peu C'est ça. Job, n'est-ce pas, étant éprouvé. La Bible dit qu'il avait tout perdu. Et, et par la suite, le diable a frappé, n'est-ce pas, de l'ulcère, d'une maladie terrible. Et même quand sa femme va dire, elle va demander à Job de renier Dieu, n'est-ce pas, Job dira, « Je ne le ferai pas. » Vous voyez, il va rester ferme, il va garder la foi, vous voyez un peu une foi ferme, ce n'est pas une foi qui vacille, ce n'est pas une foi vacillante, c'est une foi, n'est-ce pas, qui ne se laisse pas troubler ou bien qui ne se laisse pas, n'est-ce pas, corrompre par les situations difficiles que nous traversons. Non, la foi doit être incorruptible, la foi doit être, n'est-ce pas, ferme, la foi, elle doit être, n'est-ce pas, on doit avoir une foi intègre. Voilà. Donc, et c'est ce bon combat-là, n'est-ce pas, que Paul exhorté, ou se nous recommander à Timothée. Et cette parole aujourd'hui nous concerne tous aussi. Voyez un peu Bien sûr, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous devons mener, n'est-ce pas, le bon combat de la foi. Garder la foi. Voyez un peu Et par la suite, n'est-ce pas, dire aussi comme Paul. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, la couronne des gloires m'est réservée. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir parler comme Paul Est-ce qu'un jour, lorsque nous allons sentir que le temps de notre départ sur terre est proche, est-ce qu'on pourra parler comme Paul ou bien nous allons, on aura des yeux baissés en regardant vers le sol parce que notre conscience sera tellement entachée par le péché sera tellement euh, 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 submergée n'est-ce pas par l'échec le, par, par, par les échecs que nous avons subis Vous voyez voilà quelle sera n'est-ce pas notre attitude ce jour-là est-ce qu'on pourra être comme Paul est-ce qu'on pourra avoir une tête, euh, la, la, la tête euh, levée un peu en fixant n'est-ce ce monde en disant j'ai refusé n'est-ce pas de me laisser corrompre j'ai refusé de me laisser polluer par toi j'ai gardé la foi j'ai gardé les, les, les recommandations de mon maître j'ai gardé le témoignage de jésus-christ en moi aujourd'hui je suis je peux, je peux témoigner que jésus-christ est seigneur que jésus-christ est, est vivant un peu ben, pas des gens n'est-ce pas qui parlent de jésus-christ mais qui se font malmenés par le péché qui se font n'est-ce pas euh, 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 troublés n'est-ce pas voir un peu qui sont troublés qui sont dans la dépression un peu qui abandonne le Seigneur n'est-ce pas à cause des difficultés de la vie, à cause des aléas de la vie, à cause n'est-ce pas du chômage, à cause euh, 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 du célibat. Ou un peu il y en a qui, qui ne veulent plus prier le Seigneur parce que je ne suis pas marié, parce que je n'ai pas de l'argent, parce que je n'ai pas à manger, parce que je n'ai pas d'habits. un peu toutes ces choses là aujourd'hui n'est-ce pas beaucoup courent après et ils s'éloignent n'est-ce pas de l'essentiel. Mais ce n'est pas ça mener le bon combat de la foi. Vous voyez, le combat de la foi, c'est de rester, n'est-ce pas, attaché aux Écritures, c'est de rester fidèle à la parole, aux saintes Écritures, Vous voyez un peu, et, 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 et de tenir ferme, n'est-ce pas, face aux difficultés de la vie. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, nous allons le lire. Matthieu 11, verset 12, voilà, que nous dit la parole. Voilà, Matthieu chapitre 11, verset 12, si les frères peuvent nous mettre ce passage sur l'écran, les frères de la régie. Voilà, la Bible dit quoi Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ça c'est Jésus-Christ qui dit le royaume des cieux est forcé. Donc il faut être violent. Il faut se faire violent. Si tu n'es pas violent, n'est-ce pas Tu ne pourras pas t'emparer n'est-ce pas du royaume. Tu ne pourras pas participer, n'est-ce pas, au noce de l'agneau. Tu ne pourras pas, n'est-ce pas, bénéficier ou sinon hériter, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Non, il faut se faire violence parce que le monde, n'est-ce pas, nous exerce, nous offre, n'est-ce pas, une confrontation rude, une bataille assez compliquée où le monde veut tout faire, n'est-ce pas, pour nous amener à abandonner la foi. Voyez un peu Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, dans la marche, nous n'avons pas seulement qu'à amener le bon combat, mais il y a aussi des mauvais combats, n'est-ce pas, auxquels nous devons faire attention, très attention. Regardons Genèse chapitre... Euh, non, 1 Samuel plutôt. Excusez-moi, 1 Samuel chapitre 17. Voilà, 1 Samuel chapitre 17. Voilà, on va lire à partir du verset 28. Voilà. Euh, si on peut même lire à partir du verset 26. À partir du verset 26. Voilà, la Bible dit David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui Que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël dont Israël était humilié. Qui est donc ce Philistin C'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Donc ici, Goliath méprisait l'armée de Dieu. Vous voyez et David dit, mais qui est cet homme qui méprise l'armée de Dieu vivant Verset euh, 27. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Regardons bien l'attitude, regardons bien Eliab, qui était le frère aîné de David. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Regardons, n'est-ce pas, la méchanceté des propos, n'est-ce pas, d'Eliab envers son fils, envers, envers son petit frère David. David n'avait rien fait de mal à Eliab. Eliab, n'est-ce pas, va traiter David d'orgueilleux, de malicieux, de quelqu'un, n'est-ce pas, qui était imbu de sa personne. Voyez un peu, il va salir David. Pourquoi Mais tout simplement, n'est-ce pas Ben, c'est parce que dans son cœur, il avait certainement, n'est-ce pas, une haine envers David. Vous savez, il y a des gens, n'est-ce pas, dans la vie, qui voudront être n'est-ce pas à notre place Qui voudront avoir n'est-ce pas ce que Dieu nous a donné, les, les grâces ou la faveur que Dieu nous a accordée Il y, y a des gens n'est-ce pas qui convoitent la grâce ou la faveur que Dieu a déposée dans ta vie. Vous voyez un peu. Et ces gens-là n'est-ce pas ne vont jamais te parler de manière ouverte, mais qui vont, ils vont toujours chercher n'est-ce pas des occasions pour te dire des propos assez durs pour te blesser. Mais David, n'est-ce pas, n'est pas resté focus. Il ne s'est pas focalisé sur ce que Eliab disait de lui. Vous voyez un peu? Ou sinon qu Eliab pensait, ce qu'Eliab pensait, n'est-ce pas, de sa personne. David a avancé. David savait qu'il avait une bataille à mener. David savait que, n'est-ce pas, il avait le nom de Yahweh, n'est-ce pas, qu'il fallait honorer, parce que ce nom-là était blasphémé à cause de Goliath, à cause des Philistins. Et, et, et l'attitude des Israélites, n'est-ce pas? Qui étant l'armée du Seigneur, était remplie de peur devant Goliath. Alors qu'ils avaient, n'est-ce pas, le grand Elohim, le grand Dieu à leur côté. Ils avaient le grand Dieu avec eux. Mais, mais, mais Israël, n'est-ce pas, va se retrouver tétanisé, n'est-ce pas, devant le grand soldat philistin Goliath qui venait combattre Israël au nom de son Elohim, au nom de son Dieu, vous voyez. Et Eliab, étant incapable de pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux attaques de Goliath, alors il va s'attaquer à son petit frère, quand même lui qui va avoir le courage de confronter Goliath, de refuser à ce que le nom de Yahweh soit blasphémé. Voyez un peu, frère. Et on vit dans un temps un, un temps où, frère, si tu veux garder la parole de Dieu, si tu veux te sanctifier, si tu veux craindre ton Dieu, ben on te traitera de tout. On va t'appeler pasteur, on va t'appeler le saint, on va t'appeler, on va te donner des attributs, on va te donner des noms, frère, dans le but, n'est-ce pas, de te courager. De décourager dans le but d'affecter ton cœur, d'affecter ta foi. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Paul nous exhorte, n'est-ce pas, à, à mener le bon combat. Il y a des combats inutiles. Il ne faut pas chercher, n'est-ce pas, à répondre à ces personnes. Et l'attitude, n'est-ce pas, de David. David n'est pas resté focus, ne s'est pas focalisé sur ce que son grand frère lui disait. Il savait qu'il avait une bataille. Frère, on peut revenir sur euh, 1 Samuel chapitre 17. Voilà. Nous allons lire, regardons le verset 29. Regardons ensemble. Voilà, la Bible nous dit, verset 29, la Bible dit, David répondit, qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi Verset 30, et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre un peu. La Bible dit que David, n'est-ce pas, ne va pas rester focalisé sur ce que son frère disait de lui. Non. Il a compris, n'est-ce pas, que c'était des faux combats, c'était une fausse bataille. C'était quelqu'un, n'est-ce pas, qui voulait tout simplement, n'est-ce pas, le nuire, qui voulait l'empêcher, qui voulait le paralyser, qui voulait l'empêcher, n'est-ce pas, à accomplir le plan de Dieu. Dieu avait un projet, Dieu avait un plan, n'est-ce pas, pour David. Et le plan, c'était quoi C'était que n'était pas David, n'est-ce pas Israël devait être délivré, n'est-ce pas, de la domination philistine, de la domination, n'est-ce pas, des Goliath. Vous voyez et Eliab, n'est-ce pas, rempli de jalousie, alors il va, il va sortir des propos, n'est-ce pas, blessants en, 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 envers son petit frère. Frère, il y a des gens au-delà de tout ce qu'on peut faire, peu importe le respect, peu importe le bien. On pourra leur faire, ils ne vont, elles, ces personnes-là ne vont jamais, jamais nous apprécier. Ces personnes ne seront jamais en accord avec nous, frère. Si tu veux t'arrêter là, si tu veux te focaliser sur ce que ces personnes-là disent de toi, tu perdras du temps, tu vas perdre ton temps et tu vas mener, n'est-ce pas, des faux combats en voulant te justifier, en voulant, n'est-ce pas, t'expliquer. Non, lorsque tu es accusé injustement, lorsque les gens, n'est-ce pas, te traitent de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, mais si tu sais qui tu es ne te limite pas à ce qu'ils pensent de toi ou à ce qu'ils disent de ta personne. Toi, avance. David dit, il se détourna de lui pour s'adresser à, à un autre. Donc David, n'est-ce pas, va tourner le dos, n'est-ce pas, à son frère, parce qu'il avait compris que le cœur de son frère était mauvais. Frère, si tu veux, parfois, t'arrêter sur euh, ce que les gens pensent, n'est-ce pas, de ta personne, frère, tu te feras du mal. Tu vas mener, n'est-ce pas, des faux combats. Parfois, même parfois, il arrive même à des moments où, quand tu veux te justifier, Frère, en voulant te justifier, ben tu finis par donner raison aux gens. Les gens vont dire que ah, ben, si toi tu es humble, si toi tu, es, euh, si tu as vraiment Jésus-Christ en toi, Jésus-Christ, est-ce qu'on l'a pas persécuté Et il sait tu, mais pourquoi toi tu veux te justifier Donc les gens vont toujours trouver n'est-ce pas des moyens pour te casser, pour chercher vraiment à t'abattre, à te détruire. Vous voyez un peu. Donc il y a des combats n'est-ce pas que nous ne sommes pas obligés n'est-ce pas de mener C'est parce que ces combats-là vont nous épuiser. Voyez un peu, vouloir se justifier, vouloir ah, 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 trouver, n'est-ce pas, la raison face à nos accusateurs. Voyez un peu. Regardons, n'est-ce pas, Genèse chapitre 39, à partir du verset premier. Voilà, Genèse 39, à partir du verset premier. er regardons ce que les Écritures disent. La, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de l'histoire de Joseph. Dans Genèse 39, verset premier, la Bible dit, Or, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien. L'acheta des Israélites qui l'avaient fait descendre. Verset 2 L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il qu entreprenait. Verset 4 Joseph trouva grâce. Aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. La Bible dit que la bénédiction de Dieu était dans la maison, n'est-ce pas, de Potiphar. Vous voyez un peu? Tout ce qui appartenait à Potiphar, mais excepté, n'est-ce pas, sa femme. Sa femme, n'est-ce pas, qui avait un cœur mauvais. Regardons la suite. Vous voyez, la Bible dit, « Il, ab il abandonna au mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui, de, que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. » Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit Couche avec moi. Regardons bien, couche avec moi, oui. Verset, la Bible, il refusa et dit à la femme de son maître Voici mon maître, ne prends, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il, et, il, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu Quoi qu'elle qu parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi il lui laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit en dehors, au dehors regardons la suite verset 13 lorsqu'elle lorsqu vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la maison, dans la main et qu'il s'était enfui dehors Elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Vous voyez? Elle va accuser Joseph d'avoir tenté, n'est-ce pas, euh, 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 d'avoir manigancé, n'est-ce pas, un viol, alors que c'était elle-même, n'est-ce pas, qui persécutait Joseph. Vous voyez, il va arriver un temps où il y a des gens qui vont nous accuser, qui vont accuser, n'est-ce pas, euh, qui vont accuser faussement, injustement, frère. Mais ben, si on n'a pas assez de maturité, si on n'a pas assez, n'est-ce pas, de, 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 de calme pour comprendre qu'il y a des batailles, que nous devons laisser Dieu mener, n'est-ce pas, pour nous, frère, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans des combats inutiles. Et c'est ça qui nous fatigue. Vous ça fatigue. Vous voyez, Joseph avait été accusé. Il y a tout un plan, n'est-ce pas, qui était organisé contre Joseph, où la femme de Potiphar, n'est-ce pas, a fomenté, n'est-ce pas, une histoire. Elle a raconté une histoire que Joseph a tenté de me violer. Vous voyez un peu Donc, frère, il va y avoir, n'est-ce pas, des fausses accusations, n'est-ce pas, contre les, les enfants du Seigneur. Il peut y avoir des, des, des accusations contre toi. Mais quelle attitude allons-nous adopter lorsque nous serons n'est-ce pas confrontés à des calomnies lorsque les gens vont ch chercher à salir notre réputation lorsque les gens vont chercher à salir notre image vous voyez un peu frère si nous ne faisons pas attention nous allons rentrer n'est-ce pas dans des faux combats dans des combats inutiles or Paul nous enseigne n'est-ce pas que nous devons mener le bon combat de la foi nous devons garder la foi vous voyez il existe un seul combat un seul unique bon combat c'est de garder la foi garder la foi rester sur la parole vous voyez, Joseph n'est pas rentré dans la chair. Joseph n'a pas cherché à vouloir se justifier. Mais comment Joseph, n'est-ce pas, pouvait se justifier devant la femme de Potiphar, sachant que la femme-là, la femme de Potiphar, n'est-ce pas, avait tout, toute la confiance de son mari. Vous voyez Donc Joseph déjà était vaincu d'avance. Donc les gens ont cru, parce que par la suite, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que peu importe ce que Joseph a, peu importe les justifications de Joseph, n'est-ce pas, frère, Potiphar va envoyer Joseph en prison. Un peu. Donc, le plan, n'est-ce pas, de la femme de Potiphar va fonctionner. Joseph va se retrouver en prison. Vous savez, frère, parfois, il y a un mal. Il y a le mal que Dieu peut permettre dans nos vies parce que de ce mal-là, n'est-ce pas, va naître le bien. Il fallait que Joseph passe par des fausses accusations. Il fallait que Joseph, n'est-ce pas connaissent, n'est-ce pas, la prison pour que la puissance de Dieu puisse se manifester, n'est-ce pas, dans la prison, n'est-ce pas, et, 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 afin que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse élever Joseph. Il y a des accusations, il y a des choses, n'est-ce pas, que les gens diront contre toi, des fausses, des, des fausses accusations, il y a des gens qui vont chercher à salir ton image. Ne cherche pas à te justifier, ne rentre pas dans des faux combats, ne rentre pas, n'est-ce pas, dans des bagarres inutiles, dans des bagarres euh, 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 ben, qui, vont, qui vont te fatiguer. Non, reste sur la parole. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, dans Jean 10, verset 20. Regardons, dans Jean chapitre 10, verset 20, la Bible nous dit quoi oui. Même Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas Un temps soit peu, n'est-ce pas Il a été exposé ou on, on l'a calomnié. Oui. Jean 10, verset 20. Voilà, que nous dit la Bible La Bible dit, en vérité, en vérité. La Bible dit, voilà, verset 20. Voilà, merci. Plusieurs d'entre eux disaient... Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous Vous voyez Donc, Jésus-Christ, après avoir fait. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles. Verset 21. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles Vous voyez un peu, Jésus ouvre les yeux d'un aveugle. Bien, les gens disent que c'est un démon. Vous voyez les gens disent que non, mais Jésus-Christ, il est possédé d'un, il est dépossédé d'un démon et ce n'est pas le démon qui fait des miracles. Donc, il va y avoir, n'est-ce pas, des fausses accusations, des choses que les gens vont trouver, n'est-ce pas, à dire contre nous, mais de manière injuste, de, de manière injuste, les gens vont préparer des mensonges. Oui, pour chercher à atteindre d'autres cœurs, pour chercher vraiment à nous faire du mal. Frère, veillons, n'est-ce pas, à notre attitude. Veillons, n'est-ce pas, à nos réactions. Veillons à la façon dont nous allons réagir, la façon dont nous allons parler. Sinon, frère, en voulant te justifier, tu peux toi-même, n'est-ce pas, te compliquer encore des choses. Tu peux encore toi-même te rendre la vie plus difficile. Parce que lorsque les gens ont décidé, n'est-ce pas, de te faire du mal, frère, frère, euh, euh, ben, si tu veux trouver, n'est-ce pas, tu veux, si tu veux chercher à trouver, n'est-ce pas, des moyens pour pouvoir euh, en sortir de cette situation, frère, tu vas t'embourber, tu vas t'embourber. un peu, la Bible nous dit, n'est-ce pas, la force du vieux de Yahweh, la force du vieux de notre Dieu. Et nous devons, n'est-ce pas, remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Paul nous dit dans Philippiens 4, il dit, nous devons faire connaître à Dieu tout ce que nous avons besoin. Faut un peu, nous devons laisser, n'est-ce pas, nous, nos pensées, nos désirs, focalisés sur Dieu. Nous devons laisser le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, venir trancher, venir, n'est-ce pas, euh, plaider, intervenir, n'est-ce pas, à notre à notre faveur, ouais, un peu, et, et, et éviter de rentrer dans des combats inutiles, ouais, des combats qui ne servent à rien, des faux combats, des fausses batailles, des batailles qui vont nous épuiser, ouais, et le diable parfois, n'est-ce pas, veut nous voir dans de telles batailles. Dans des, dans des combats dans des batailles dans des batailles euh, euh, vaines dans des batailles inutiles dans des batailles mais, qui n'apportent rien dans nos vies voyez donc frères soyons vigilants restons n'est-ce pas attachés à la parole en dehors des écritures de la parole en dehors des écritures en dehors de la parole du Seigneur frères on n'a plus d'autres moyens sinon on n'a plus d'autre force, n'est-ce pas, pour pouvoir déjouer les plans du diable. Le Seigneur nous a donné sa parole. Voilà pourquoi il nous dit, la connaissance, n'est-ce pas, de ces écritures, de cette parole-là, nous ouvre les yeux. Et nous donne, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir non seulement discerner les pièges du diable et aussi, n'est-ce pas, les contourner. Frère, la parole, elle est vivante. La parole, elle est bonne. La parole, elle est agréable. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que la parole, c'est Dieu lui-même, Elohim. Parce que dans Jean, chapitre 1er, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Elohim, la parole était avec Dieu. Et cette parole-là, n'est-ce pas, elle s'est faite chère. Et elle a habité parmi nous, n'est-ce pas, pleine de grâce et de bonté. Et cette parole-là, n'est-ce pas, qui est la lumière, mais qui est venue chez les siens, n'est-ce pas? Et les siens ne l'ont point reçue. Les siens ont rejeté la parole, ont rejeté la lumière. Pourquoi Mais c'est parce que dans leur cœur, les gens ont préféré les ténèbres, n'est-ce pas? que la lumière. Et on vit aujourd'hui, n'est-ce pas, dans un monde où beaucoup préfèrent les ténèbres, beaucoup préfèrent, n'est-ce pas, adopter une image fausse, une attitude fausse, n'est-ce pas, et se donner les titres, les titres, sinon les appellations d'enfants de Dieu. Alors que dans le fond, n'est-ce pas, ils ne le sont pas. Frère, mais nous ne devons pas, n'est-ce pas nous mélanger ou bien chercher, n'est-ce pas, à ressembler à ces personnes. Nous devons nous mettre à part, nous devons nous consacrer au Seigneur, nous devons nous, nous maintenir, n'est-ce pas, dans la pureté, dans la sainteté, frère, afin que ce jour-là, n'est-ce pas, quand Christ viendra, nous ne serons pas de ceux-là, n'est-ce pas, qui seront dans la honte, qui seront dans la, confuse, dans la confusion, qui seront confus, ou ouais, un peu, mais de ceux-là, n'est-ce pas, qui, 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 qui rentreront, qui vont rentrer, n'est-ce pas, dans la joie éternelle de leur maître. Alors, Jésus-Christ est, est à la porte. C'est le temps, n'est-ce pas, de nous, de nous remettre en cause. C'est le temps, n'est-ce pas. De nous examiner. C'est le temps de regarder ce que nous faisons au quotidien. Quelle est notre nature Quelle est notre vie Quelles sont, n'est-ce pas, euh, les résolutions que nous prenons Est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, notre vie est encore entachée par le péché Est-ce que nous vassions de gauche à droite Lorsque nous sommes éprouvés, nous voulons abandonner. Lorsque nous, voulons, lorsque nous mangeons, nous bénissons le Seigneur. Mais lorsque nous n'avons rien, nous mollissons le Seigneur. Cela ne doit pas être, n'est-ce pas, notre attitude. Parce qu'un tel comportement, n'est-ce pas, ne plaît pas au Seigneur. La Bible nous exhorte, n'est-ce pas, Paul, au travers des Écritures, nous, nous exhorte, n'est-ce pas, à combattre le bon combat de la foi, à garder la foi. Alors, frères et sœurs, je prie, n'est-ce pas, afin que le Seigneur nous donne la force de pouvoir garder la foi, d'avoir une foi stable, de ne pas nous laisser, n'est-ce pas, traumatiser, de ne pas nous laisser troubler par ce que nos yeux vont voir, par ce que nos yeux vont entendre. Vous voyez, on vit dans un monde, n'est-ce pas, où il y a tellement de méchanceté, où il y a des, dji des djihadistes qui tuent des gens, où il y a des gens qui font des crimes rituels, les gens qui, font des, des, qui, qui enlèvent les gens, n'est-ce pas, pour aller le, offrir, n'est-ce pas, le sang humain, n'est-ce pas, à leur faux Elohim, à leur faux Dieu, n'est-ce pas voyez un peu, le monde est tellement, n'est-ce pas, rempli de méchanceté. Que, frère, frère, si nous ne sommes pas assez sages, n'est-ce pas de nous détourner, de tourner le dos face à toutes ces choses-là et de regarder, de fixer nos yeux vers Jésus-Christ de Nazareth, il nous sera très difficile, très difficile de pouvoir garder la foi ou non seulement de pouvoir garder la foi et aussi de mener le bon combat de la foi. Frère, voilà pourquoi, n'est-ce pas, à, par Dieu au travers de mon canal, nous exhorte tous, n'est-ce pas, à ne pas nous laisser troubler, à ne pas nous laisser, n'est-ce pas, influencer. Voyez un peu, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Jean, au chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, mais de croire en Yahweh, si on peut le regarder. Jean, si on peut lire ce passage. Jean, chapitre 14, verset 1er. Voilà, je crois bien, c'est que Jean, chapitre 14. Voilà, on va regarder. Voilà. Jean 14, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez, le Seigneur nous exhorte, n'est-ce pas, à ne pas laisser nos cœurs se être saisis de l'angoisse, de la dépression, du trouble. Les chrétiens sont dépressifs. Pourquoi ben C'est parce que nous nous éloignons de la parole. C'est parce que la parole du Seigneur, n'est-ce pas, n'est plus le socle de notre vie, n'est plus le soubassement de notre vie. Jésus Christ n'est plus le fondement, n'est-ce pas, sur lequel notre foi s'appuie. Et notre foi s'appuie, n'est-ce pas, sur les rudiments de ce monde, sur les choses élémentaires de la vie. Et, en agissant ainsi, frère, nous faisons fausse route. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur nous demande de nous remettre en cause. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que chacun s'examine de ses propres péchés, que chacun se remette en cause pour savoir encore si nous sommes dans la foi. Il est temps où chacun, n'est-ce pas, doit se poser des bonnes questions. Il est temps où chacun, n'est-ce pas, doit examiner, n'est-ce pas, ses faits et gestes à la lumière des Écritures pour savoir si notre vie, n'est-ce pas, est guidée par la parole, si notre vie, n'est-ce pas, est encore en conformité avec les Écritures. Ben, si ce n'est pas le cas, rectifier, régler et avancer avec le Seigneur. Parce que notre Dieu, n'est-ce pas, ne condamne pas les gens, mais plutôt, il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricorde, le Dieu rempli de miséricorde, le Dieu rempli de grâce, touche vos cœurs. Et ceux qui ne l'ont pas reçu, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que l'engagement que vous allez prendre à suivre Jésus-Christ ne soit pas seulement des lèvres, mais d'un cœur de vous et d'un cœur sincère. Je prie. Pour qu'il y ait des conversions. J'ai pris que davantage, n'est-ce pas, les hommes quittent la prostitution, les gens quittent, n'est-ce pas, l'ivresse, l'ivrognerie, les gens quittent le vol, la duplicité, la franc-maçonnerie, le yoga, les traditions humaines, comme le djembe, le Bouti, que les gens abandonnent ces choses et se tournent vers le Créateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oui! le monde dans lequel nous sommes a un langage qu'il utilise en disant que c'est Dieu qui a laissé tout ça. Dieu n'a pas tout laissé. Il y a des choses aussi qui sont des inspirations du diable comme le ndjembe, comme le bouti, comme les muri, comme aujourd'hui toutes ces traditions, n'est-ce pas, dans lesquelles les gens pensent trouver, n'est-ce pas, euh, la protection, mais qui plutôt n'est-ce pas les expose au démon ou encore à la manipulation ou sinon au contrôle du diable ou un peu. beaucoup mettent leur foi sur des choses éphémères frère c'est le temps n'est-ce pas de comprendre que c'est mener des faux combats c'est mener n'est-ce pas des fausses batailles nous sommes davantage nous sommes nous sommes en avance perdants n'est-ce pas en nous lançant dans de telles choses. Le bon combat, c'est celui de la foi. Gardez la parole de Jésus-Christ de Nazareth et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Soyez bénis et que la grâce d'Adonai, le Dieu tout-puissant, n'est-ce pas, soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.